qui a fait donc une observation hier soir du côté de la Suisse, une observation de deux points lumineux orange qui je pense qu'il va mieux vous raconter ce qu'il a observé. Oui, rebonsoir Black Box. Ouais, Gilles. Donc, peux-tu nous faire part de ce que tu as vu hier soir? Oui, alors j'ai déjà fait un petit résumé sur Facebook. Donc, je peux déjà m'en servir pour vous exposer ça, parce que j'ai pas eu le temps de bien compiler les informations. Oui, vas-y. Donc alors, on était à la fenêtre de la cuisine, il était 1h30 du matin, donc cette nuit. Alors attends deux secondes, excuse-moi, j'ai un souci de son. D'accord. Ouais, merci. Voilà. Oui. Donc oui, à 1h30, on a aperçu ce qui semblait être un satellite depuis la cuisine. Donc ça émettait comme des appels de phare, on va dire. Ça, la lumière grandissait et se rétractait. Donc j'en ai assez déduit que c'était un satellite. Mais quand même, dans le doute, on s'est décidé à sortir. Et donc on est allé dans un poste d'observation, on était déjà allé une fois il y a pas longtemps. On n'avait rien vu, mais on avait trouvé que c'était un bon spot. Donc on s'est installé tranquillement et au bout de 5 minutes, je me retourne et j'aperçois deux sphères orangées noires. Vraiment comme si une surface noire brillait par-dessus une surface orange et scintillait un peu, mais vraiment c'était pas une lumière vive, donc c'était assez opaque, donc on pouvait pas forcément le voir de très très loin, je pense. Et donc voilà, ça a traversé en fait le ciel au-dessus de nos têtes en 7 secondes environ. Et c'est environ à 100 mètres d'altitude, pas plus. Environ 200 km/h, on a estimé. Et vraiment, en fait, elle ne se déplaçait pas. Normalement, en fait, elles avaient comme un mouvement de balancier. Vraiment comme dans une simple balance où tu as deux poids dessus et tu t'amuses à lever un poids et à le reposer. Tu vois ce que je veux dire, Gilles? Oui. Oui, d'accord. Alors, c'est surtout ça qui nous a fait comprendre que c'était pas normal du tout. Et, donc, en fait, les deux premières secondes, ça allait tout à fait normalement. Et au milieu de l'observation, pendant 3 secondes, ça a fait ce mouvement de balancier. Quand c'est passé bien au-dessus de nos têtes, en fait. Et ensuite, ça a repris une attitude, disons, normale. Les deux sphères étaient pas loin l'une de l'autre et elles semblaient comme attachées, mais on ne voyait pas vraiment en fait de surface entre les deux. En fait. On pouvait soupçonner, on pouvait imaginer, mais on ne la voyait pas en tout cas. Mais vraiment le mouvement qu'elles avaient, ces deux sphères, laisse fortement suggérer qu'elles étaient soit parfaitement synchro, soit attaché. Et voilà. Et en fait, la direction, si je peux préciser, pour éventuellement voir si quelqu'un d'autre a vu quelque chose de similaire, éventuellement. Donc la direction, c'était venu du sud-ouest et en direction du nord-est. Et vraiment aucun vent, 0 km/h, on a vérifié, la visibilité parfaite, jusqu'à 1000 mètres.
Et aucun bruit, pas de clignotement, donc impossible de confondre avec un avion. Aucune chance de confondre avec un satellite d'ailleurs, parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et on sentait vraiment que c'était à très basse altitude, vraiment au ras-mot des immeubles. Donc voilà, là c'est tout ce que je peux dire pour l'instant avec ça. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très conventionnel. Oui, d'ailleurs, je suis en train de diffuser l'image de ton observation, celle que tu as donc faite. On sait jamais, il y aura peut-être quelqu'un qui a peut-être observé la même chose hier soir, vu qu'apparemment, hier soir, ça a bien bougé dans le ciel, du moins en Europe. Ah, en Europe, carrément. Oui, oui. Bah, puisque en Belgique, il y a eu, en Suisse, il y a eu, hein, c'est l'Europe. Hein, Et peut-être en Allemagne, hein, qui sait. Ah, l'Allemagne, peut-être, faut vérifier. Et sinon, juste une première question, que ressentais-tu lorsque tu as observé ça? Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti sur le moment? Alors, les deux premières secondes, j'ai pensé à une observation qu'avait faite ma compagne. Son pseudo, c'est Illumination. Et donc, elle m'avait raconté, bon, on était ensemble ce soir-là, mais malheureusement, j'ai pas pu voir cette chose, ça passait en 3 secondes, ça traversait le ciel, et c'était un collier de perles, on peut le dire ça comme ça, pour le décrire au mieux. Un collier de perles attaché, en fait, qui formait une ligne droite, tout simplement, et ça a traversé le ciel à très basse altitude, sans aucun bruit, beaucoup plus gros qu'un satellite, évidemment, parce qu'on l'a bien senti du bas, très bas, à peu près justement la même taille, en fait, que... deux sphères orangées qu'on a vues cette nuit. Donc, elle me les a décrits comme ça. Donc sur le moment, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai aussi pensé à un moment à des oiseaux, mais vu la couleur qui était bien orange, évidemment, impossible de confondre. Et sur le moment, à la fin de l'observation, j'ai compris qu'on avait assisté à quelque chose de vraiment étrange. Enfin, encore une fois de plus. Parce que je ne sais pas si tout... Je pense pas que tout le monde soit au courant, mais on n'en est pas du tout à la première observation. Depuis juillet 2010, on a assisté à beaucoup, beaucoup de phénomènes. On n'a pas pu encore répertorier ou même partager. Donc voilà, là, ça faisait quelques mois qu'on n'avait rien vu. Et voilà, on a décidé de sortir un soir. On s'est assis 5 minutes et au-dessus de la tête, on tombe là-dessus. Donc voilà, on est content d'avoir revu quelque chose. Et ça, en fait, ça m'a un peu conforté. Parce que j'ai commencé à avoir des doutes, justement, parce que quand on voit autant de choses, au bout d'un moment, on se demande s'il n'y a pas un problème ou si on interprète pas mal les choses. Mais finalement, avec un peu de recul, déjà, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Mais vraiment, cette observation cette nuit m'a énormément conforté, vraiment, sur beaucoup d'autres observations qu'on a pu faire. Donc voilà, je peux aussi préciser qu'on a vu une quinzaine de satellites donc cette nuit, entre le moment, un peu après le moment de l'observation et jusqu'à 4h30 du matin. On a vu beaucoup, beaucoup de satellites, donc rien à voir. On a vu un ou deux avions au loin, rien à voir non plus. Donc voilà. Et justement, j'ai pas mal d'observations qui ressemblent. On a fait pas mal d'observations qui ressemblent à ça. Et je pense que je pourrais peut-être éventuellement laisser la parole à ma compagne, justement, aux Illuminations. Oui. Parce qu'elle pourrait aussi vous partager tout ça, parce que 90% de ce qu'on a vu, on l'a vu ensemble. Donc voilà. Je vais vous la passer, et puis peut-être que, de toute façon, je vais intervenir avec elle, on est ensemble. D'accord. Bon, voilà. Ça va pour toi, Gilles ? Oui, oui, bah, c'est... Comme tu me l'avais expliqué, j'espère que le stress va bien, enfin, ça se règle pas trop, quoi. Si elle s'évanouit, ben, on s'en va. Non, mais ça va aller. Mais il faut penser, je parle à mon micro. Voilà, c'est tout. Il y a personne qui écoute. Comment ça, il y a personne qui écoute? Non, mais il faut se dire ça, pour pas stresser. Ah, là, maintenant? Oui. Ah, d'accord, excuse-moi. Oh. D'accord. Mais là, en fait, on n'est plus à l'antenne depuis combien de temps? Ah non, mais on est à l'antenne. Ah, excuse-moi. D'accord. Oui, c'était juste pour pas stresser, éventuellement se dire que vous parlez à...
Ouais, pas de soucis. Ouais, des personnes que vous connaissez pas. Ouais, bah voilà, bon. Voilà, d'accord, mais je veux la place. On peut pas avoir de jugement. Donc, bonsoir. 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 Bah, bienvenue à la soirée en direct. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de nous laisser du temps pour expliquer ce qu'on a vu. Alors, bah, je vais vous parler un peu voilà, de ce que y est de Perle. Donc, c'était le 13 avril 2011. Donc, l'heure, c'est plutôt une heure approximative. C'était entre 3h et 5h30. Donc, on était dehors. Puis voilà, on a vu des satellites, plusieurs choses. Puis pendant que Black Box observait un peu ailleurs, moi j'ai pu observer donc, 5 boules lumineuses de couleur grise-orangée. Elles avaient un aspect un peu transparent. Il n'y avait aucun son. Et elles étaient alignées les unes aux autres de façon en fait rectiligne. On aurait dit comme des perles que on enfile sur une tige droite. Puis donc ces sphères, elles avançaient en restant alignées et elles se déplaçaient très très vite. Donc ça a duré 3 ou 4 secondes, le temps de traverser le ciel. Bah, alors vitesse approximative, on va dire 200 à 300 km/h. Puis bon, bah, elles ont disparu en fait avant l'horizon. Donc ça ressemble à une autre observation aussi qu'on a faite tous les deux. Donc je vais vous parler aussi de ça. Alors l'autre observation qu'on a faite, on était à la fenêtre, donc c'était le 20 juin 2011, c'était vers minuit. Puis donc depuis notre fenêtre, on est haut, on est au 11e étage, on a une très très bonne vue sur la ville. Et puis on observait en fait un hélicoptère qui tournait au-dessus de la ville, il n'arrêtait pas de tourner. Puis au bout d'un moment, Black Box tourne la tête et voit trois sphères blanches, un peu grises, assez lumineuses. Elles étaient donc en formation triangulaire et elles ont traversé le ciel à l'horizontale en direction de l'est. Elles avaient une vitesse d'environ 200 km/h, donc très très rapide. Et tout d'un coup, ces trois sphères en fait se sont séparées. Donc une à la gauche est partie vers la gauche, celle de droite à la droite, et celle d'avant à l'avant. Et c'était synchronisé, donc les trois se sont séparées au même moment. Juste après ça, elles ont continué leur direction respective et elles ont disparu, comme si elles s'étaient nées en fait. Et c'était juste avant qu'elles arrivent au-dessus du centre de la ville. Donc c'était assez incroyable, ça n'a pas duré très longtemps, peut-être 5 secondes. C'était assez fou parce que la vitesse était tellement rapide et la synchronicité entre les objets, là, ils étaient parfaitement synchro entre eux. Et c'est ça qui est assez dingue en fait. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Et sinon, éventuellement une question. Qu'avez-vous ressenti lors de l'observation du 20 juin 2011 ? Alors, ben, on était assez scotchés, en fait, parce que c'est la première fois qu'on voyait des sphères en formation se séparer et avoir un mouvement comme ce que je vous ai décrit. Donc, c'était pas habituel. On a déjà vu beaucoup de choses, mais là, c'était très spécial. On était surpris, très surpris, et on pouvait bien se dire que ça n'avait rien de commun. Et bon, il n'y avait pas de mouvement... on n'a pas senti d'hostilité ou voilà, chaque observation qu'on a faite, c'était toujours, on va dire, pas des observations qui pouvaient prêter à la peur. Donc, voilà, en gros. Et sinon, juste une petite question. Je pense que ça va être pour les deux observations. Pour celle du 20 juin 2011, que faisiez-vous avant d'aller observer le ciel ? Ben en fait, on était à la maison. Hein. On a juste eu un hélicoptère. On était à la fenêtre. Il y avait un hélicoptère très très haut dans le ciel et il tournait en fait au-dessus de la ville.
ça nous a intrigués, on se demandait pourquoi cet hélicoptère tournait au-dessus de la ville, et puis aussi haut surtout. Puis il est resté quand même pas mal de temps à sillonner nos villes. Donc ça, ça nous a intrigués. Puis bon, bah, on passe souvent du temps à observer le ciel. Donc voilà, ça facilite les observations aussi. Puis ce qu'il faut aussi noter par rapport aux trois sphères en formation triangulaire, c'est qu'elles sont passées au-dessus de notre immeuble. Elles descendaient assez bas, hein, presque en rase-motte du toit, quoi. Donc, je veux dire, là, c'est une des observations, on va dire, où les objets, si c'était objet physique, étaient très très proches. Et c'était aussi bas qu'hier, au niveau de l'altitude. Donc, voilà. Et sinon, pour l'observation d'aujourd'hui, donc mm-hmm. du 28 juin, ou que faisiez-vous avant? J'ai cru comprendre que, je peux peut-être en parler, que vous étiez en train d'écouter Radio Ici Maintenant. Oui, on écoutait Robert Salas et Gilles Bourdin. Voilà, Robert Salas et Gilles Bourdin. Ah, c'est quand même assez curieux, car je me rappelle d'un témoignage d'une personne, une Québécoise qui était venue parler de son observation de triangle. Mmh. Juste avant, elle était sur un site d'ufologie à regarder les témoignages. Ah oui. Ah bah, il faut croire qu'il y a des phénomènes de synchronicité parfois. Ça nous arrivait plus d'une fois. Souvent, on y pense et paf, c'est là. C'est assez étrange. C'est pas trop qu'on pensait pour le moment, mais en tout cas, on a pu noter ce genre de phénomène. Mais sinon, j'ai une question qui va peut-être vous paraître assez... assez inhabituel. Avez-vous ressenti comme si quelqu'un vous appeliez ou vous appelait pour aller voir le ciel? Une fois, parfois c'est arrivé, mais une fois peut-être un peu plus en particulier. Cette nuit par exemple, Black Box avait envie de voir quelque chose, et au moment où il va à la fenêtre, il voit un satellite qui faisait comme des appels de phare. Donc, du coup, ça nous a donné envie d'aller dehors. Du coup, on va là-bas. On se pose là où on avait vu plus ou moins le satellite arriver, et on s'est posé donc sur le spot. Et puis, cinq minutes après qu'on soit arrivé, on lève la tête et on voit quelque chose. Donc oui, je pourrais dire que parfois on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous appelle. Mais c'est pas à chaque fois, ça dépend. Et bon, je pense qu'il y en a certains qui pourraient légèrement en rire de ce genre de choses, mais il faut pas en rire, parce qu'il y a beaucoup d'ufologues d'ailleurs qui s'intéressent à l'avant-observation. Que faisait le témoin avant? Pourquoi oui. a-t-il voulu aller... on va donner un exemple, la chose qui paraît le plus dans les témoignages, c'est... je suis sorti sur mon balcon pour fumer une cigarette, quand tout d'un coup... Pourquoi à ce moment-là, il est parti fumer une cigarette? Oui, on se demande. Ouais, il faut croire qu'il y a un lien. Après, savoir dans quel sens ça va, si c'est nous qui les appelons ou eux qui nous appellent. Voilà, faut se poser la question. Juste une autre question. Pour les deux cas d'observation, je ne sais pas si vous vous en rappelez pour le 20 juin 2011, mais quelles étaient les conditions atmosphériques? Faisait-il beau, chaud, froid? Alors il me semble qu'il faisait plutôt clair et beau. Presque comme cette nuit. Mais presque comme cette nuit, on va dire ciel dégagé, peu de vent, pas. Est-ce que le ciel était très étoilé, voire inhabituellement étoilé, autant étoilé? Ça, je ne saurais pas dire. Je pense étoilé, mais bon... quand même assez proche de la ville. Un peu de pollution lumineuse. Il y a quand même un peu de pollution lumineuse, donc on ne voit pas la totalité des étoiles. Mais on va dire en tout cas dégagé. La plupart des observations qu'on a faites, il y avait un ciel dégagé. Et sinon, pour l'observation d'aujourd'hui, du 28 juin, le phénomène, il se déroulait plutôt lac Léman ou plutôt vers les montagnes? Ah, tu me demandes au niveau de la localisation? Oui, sans trop vraiment préciser, quoi. Alors, c'est dans la plaine, hein, au-dessus de la ville.
Donc pas du tout dans le lac, beaucoup plus haut, zone industrielle, pas loin en fait. Donc dans la plaine. Donc, on est entouré de montagnes. Hein. On n'est pas loin de l'aéroport et du CERN aussi. Donc au-dessus de la ville en fait. Et la plupart des observations qu'on a faites, ça passe au-dessus des immeubles. Hein. C'est ça qui est assez impressionnant et qui nous fait douter quant à une technologie possible humaine. On se demande pourquoi, si c'était par exemple des vaisseaux de technologie secrète ou je ne sais quoi, pourquoi ils passeraient au-dessus des villes peuplées de je ne sais pas combien d'habitants. Ça paraît assez bizarre. Et éventuellement, beaucoup pourraient même se demander si finalement il n'y a pas quelqu'un dans votre quartier qui se fait enlever. Oui, peut-être. Je sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question. Mais sinon, par rapport à l'observation du 20 juin et l'observation du 28 juin, est-ce que vous a-t-il semblé que le comportement, finalement, quand on regarde bien, ce sont des sphères, hein, toujours à peu près la même forme, est-ce que le comportement était habituel? Par exemple, est-ce que ça allait dans une même direction? Non, chaque observation avait une direction différente. Hier, ça allait. Ça faisait un mouvement balancier, en synchro. Les trois sphères étaient en formation triangulaire et elles se sont séparées. Mais s'il y a des points communs, on va dire, c'est plutôt dans la fluidité du déplacement d'objets. L'aspect qu'il a, on va dire, voilà, une sphère un peu semi-transparente, alors des fois c'est un peu orange, gris, ça dépend. Mais c'est surtout la fluidité du mouvement, la vitesse aussi, qui est souvent pareille. Et l'opacité aussi, voilà, c'est toujours un peu semi-transparent, ça c'est étrange. On a l'impression qu'il y aurait une sorte d'occulteur, c'est comme si on pouvait voir à travers en fait. Du coup, ça laisserait traverser les couleurs environnantes, et c'est pour ça qu'il y aurait des différences de couleurs. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue pour les trois sphères, l'espèce de collier de perles, moi j'ai bien remarqué. Et voilà, les trois sphères en formation triangulaire, c'était vraiment ça. Puis bon, il y a aussi une autre observation qu'on a faite, que Black Box vous avait parlé dans une autre émission, les deux V en fait, qu'on a vues. C'était le 14 novembre 2010. Donc là, c'était la plus troublante des observations qu'on a faites, parce qu'il y a deux gros phénomènes identiques à la suite, à 5 minutes d'intervalle. Donc le premier, c'est lui qui l'a vu, c'est passé au-dessus de ma tête. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que c'était comme des grosses spots alignées en formation triangle. Comme les lumières de phénix, hein, c'est vraiment pareil au niveau de la description. Et comme les lumières de phénix, ça recouvrait les étoiles. Sauf que c'était pas aussi gros que ce que l'on a vu, mais ça allait très très vite, très très vite. Et donc le premier V est passé au-dessus de ma tête à une vitesse folle. Moi j'ai eu le temps de voir que la tranche, et j'ai bien pu voir un rectangle qui recouvrait le ciel. Ça a duré 5 secondes. Alors, en 5 secondes, ça traverse le ciel, pas de bruit. Voilà, on est choqué un peu. 5 minutes après, en deuxième, même formation, des gros spots, formation en triangle. Et il y en avait plus. Là, il y en avait genre peut-être deux rangées de plus, ou quelque chose comme ça. Et voilà, ce qui est très perturbant, c'est de voir que ces spots, ils sont alignés et autour, ça forme une forme qui recouvre les étoiles. C'est ça qui est impressionnant. Là, on ne peut pas douter de la physique de l'objet. Et on l'a bien vu au-dessus de nous aussi, donc voilà, la taille était impressionnante. C'était vraiment gros, quoi. Ça faisait la moitié de la main à bout de bras. Donc c'est difficile de confondre ça avec des oiseaux ou un hélicoptère ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Oui, et puis des oiseaux lumineux. Ouais, ouais. Il n'y en a pas souvent. Oui, qu'ils aient une ampoule dans la bouche. Oui.
Oui, puis là, voilà, c'est toujours lumineux. Donc, on a l'habitude de voir des satellites, on habite à côté de l'aéroport. Je pense qu'on ne confond plus trop ce genre de choses maintenant. Alors voilà. Et sinon, parce que c'est quand même intéressant de voir que vous avez observé des choses quand même assez intéressantes. Pensez-vous que, parce que bon, vous habitez quand même une zone fortement urbanisée, comment se fait-il que d'autres ne voient pas ce genre de enfin, ne font pas les mêmes observations, voilà. Je pense que principalement la plupart des gens regardent pas le ciel, ou très peu, et les heures aussi, voilà. Nous on fait des observations tard dans la nuit, je pense pas que tout le monde a l'opportunité, l'envie, ou le temps tout simplement d'aller observer le ciel à des heures pas possibles, n'importe quand. Et puis voilà, alors Black Box me dit souvent il passe en rase-mode, et donc je pense que ça empêche aussi que beaucoup de gens le voient, parce que ça passe très rapidement et du coup il y a peu de visibilité, de temps d'observation. Que ça passe en rase-mode, on ne peut pas le voir aussi longtemps qu'un énorme truc qui passe dans le ciel très lentement et vous avez le temps de l'observer. Là, c'est très rapide, succinct, ça dure 5 secondes, des fois plus, mais c'est toujours rapide. Donc voilà quelques explications de pourquoi tout le monde ne verra pas ça. Et d'ailleurs, on pourrait se demander que fait l'armée de l'air suisse. Je pense qu'en Suisse, l'armée, comme partout dans le monde, doit être au courant de ce genre de choses. Je pense pas qu'on est à l'abri de ça, hein. Même si on est un petit pays, je pense qu'ils sont très au courant. La Suisse, les droits de l'homme, l'ONU. Ouais, enfin voilà, on a quand même l'ONU ici, les droits de l'homme, enfin, je pense qu'on doit être au courant. Mais voilà, politique de tabou, quoi, on parle pas de ce genre de choses. Parce qu'il faut pas éveiller les soupçons, faut pas que les gens s'intéressent trop à ça. Mais sinon, vous qui avez été témoin, avez-vous essayé de contacter par hasard les journaux pour essayer de trouver d'autres témoignages? Pas pour le moment. On n'a pas encore osé. Et puis, on n'a pas parlé à des ufologues. Oui, Blackbox me dit, c'est vrai, on aimerait parler d'abord à des ufologues et être sûr de la sériosité de nos affaires, quoi, avant de se lancer. À raconter ça à tout le monde et de manière officielle. On adore la réponse, je pense, surtout. On y va à tâtons, on prend notre temps avant de démarcher. Et sinon, dans votre entourage ou même ailleurs, comment est la vie des personnes par rapport au phénomène des ovnis en Suisse? Bon, alors, en Suisse, c'est pas. C'est pas très, très ouvert, on va dire, mais après, moi, du côté de ma famille, je peux en parler librement, il n'y a pas de problème. Après, Black Box, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, après, même si, par exemple, moi, je peux en parler librement, ils ne sont pas aussi intéressés que nous, et aussi au courant que nous, donc, on va dire, c'est pas voilà, un sujet facile d'accès. C'est pas évident d'en parler. Même aux gens de confiance ou à la famille, c'est pas toujours évident. Ouais, ça pourra répondre à la question qu'a émis tout à l'heure Gaëtan du réseau d'enquête ufologique belge, qui disait qu'en Belgique, c'était pareil, c'était pas évident d'en parler. Comme en France d'ailleurs et un peu partout. Oui. Mais je remarque que les États-Unis ou même l'Angleterre sont assez ouverts. C'est plus facile d'en parler là-bas. Je sais pas, c'est peut-être notre esprit cartésien. Voilà, qui nous empêche un peu d'être plus ouvert là-dessus, je sais pas, peut-être une explication. Mais c'est dommage, parce qu'il y en a partout, donc tout le monde devrait s'intéresser. Dans tous les soirs. Et puis, ouais. Comme on peut le voir ce soir, la chose qui intéresse plus les gens, c'est le foot. Oui, malheureusement, oui. Mais je pense qu'on est souvent détourné, voilà, des choses cruciales qui se passent sur cette planète. Ça s'arrête pas qu'à l'ufologie, hein. C'est un peu pour tous les sujets vitaux, cruciaux de notre époque, qui pourraient nous aider, quoi, aider l'humanité à évoluer, à progresser, que ce soit au niveau spirituel ou même de la santé. Je
pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre les uns aux autres. Orion, Romain, avez-vous des questions ? Oui, moi aussi, je voulais demander, ils ont toujours été tous les deux ensemble à chaque observation ? Alors, principalement, oui. C'est arrivé quelquefois que Blackbox voyait des choses séparément, et moi aussi. Mais majoritairement, on a vu des choses ensemble. 90%. 90% des observations étaient les deux. Ouais, vous verrez que par la suite, ça continuera, ça va un petit peu, ça pourrait même s'amplifier. J'y connais un petit peu cet effet, on va dire. Mais c'est important. Plusieurs personnes, apparemment, arrivent à voir certaines choses que d'autres non. Ok, on verra bien par la suite. Mais ouais, c'est vrai que c'est... On va continuer. On va continuer, on espère continuer à voir des choses. Je vous souhaite. Enfin, merci. Mais vous vous dites que ça va continuer, ça m'intrigue. Pourquoi ? Oui, non, mais c'est une recherche intérieure, donc il faut découvrir tous les jours. Voilà. Okay. je rajoute un petit peu de mystère encore plus. Pourquoi pas ? C'est parti de la quête. Alors voilà, je sais pas si vous voulez reparler à Blackbox ou... C'est comme ce que Blackbox veut. Ben, je vais juste gentiment résumer la situation et vous dire au revoir. Sent une observation ce soir, ça. Bon, ben, je vous le passe pour faire les adieux. Oui, d'accord, ben merci beaucoup d'être intervenu. Ben, de rien, merci à vous pour l'écoute et merci à tous. Je vous dis au revoir. Ben, au revoir. Voilà. Ah, ben finalement, il n'y avait pas trop de stress, ça va ? Non, ça s'est bien passé apparemment, ouais. Ah non, elle vient de s'évanouir. Ah, mince alors. Non, c'était bien, vraiment intéressant. Même moi, j'ai appris des choses. Ah bon ? Mais alors donc, oui, non, mais c'était une petite blague entre nous. En fait, je voulais juste résumer en fait nos observations, parce que comme je t'avais dit déjà, Gilles, on va rassembler toutes nos observations depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. On va mettre tout ça sur un dossier, on est en train de le faire. Ça va encore prendre quelques jours, donc ce sera sous forme de PDF qu'on va distribuer à tous les gens qui sont intéressés, tous les ufologues, amateurs ou professionnels. Et voilà, si on peut avancer de cette façon, ce serait super. Et même si on peut faire des corrélations avec d'autres cas, et même faire des liens entre des dossiers, ce sera encore d'autant plus intéressant. Donc voilà. Et je te remercie beaucoup.